Pardon, je veux un peu de sel et le feu aussi. Tiens un peu le bar si tu t'assois. Je n'ai pas bien suivi. Tu as dit que tu veux quoi? Je voulais un peu de sel et le feu, la braise. Yes. Yes. Je vais vous tirer un coup de chapeau à ma grand-mère. Non. Je suis sortie d'une très très bonne éducation. Oui. C'est aujourd'hui que je comprends ça. Parce que quand elle me faisait souvent ces petites niaiseries-là, je ne comprenais pas qu'une femme, quand ma grand-mère me disait qu'une femme, une bonne femme dans un foyer, hein, dans ton ménage, dans ta cuisine, tu ne dois jamais manquer du sel, l'oignon, les allumettes, l'huile, le pétrole. Donc tu quittes loin là-bas, maman, Zach, je veux les allumettes, je veux le sel. Une si petite fille comme toi, une petite fille comme toi, tu ne sais pas que dans ta cuisine, tu ne devrais pas manquer des matières premières qu'une femme doit avoir chez elle. Tu te lèves pour venir me demander le sel, tu te lèves pour venir me demander les allumettes. Mais tes parents ont raté ton éducation. Ils ont raté ton éducation. C'est-à-dire ton éducation est nulle. Nulle, 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 nulle. 0000000. Tu viens demander le sel à qui? Madame, maman Zach, ce n'est pas parce que je suis venue te demander le sel et le feu que tu te permets déjà d'insulter mes parents. Ranguma Yiki. Non, maman Zach. Non. Tu as raison partout, mais je ne te permets pas. Je dis que je ne te permets pas. Ma Yopki, parle-moi comme tu veux. Parle-moi même de la précipitation. Ne me gavole soit dans le mariage. Mais je ne te permets pas de mettre la bouche sur mes parents. Surtout pas sur mes parents, maman Zach. Je ne veux pas. Et parce que je te respecte beaucoup. Tu respectes je te respecte beaucoup. Tu ne peux même pas imaginer tout à quoi mes parents Pardon, voilà donc ça qu'ils ont raté ton éducation. Ils ont raté ton éducation. Une petite fille comme toi, tu n'as pas le sel, tu n'as pas les allumettes, tu n'as pas l'eau, tu n'as rien chez toi. J'ai toujours le sel. Donc quelque chose ne peut pas finir. C'est éternel dans ma maison. Merci. Quand je prépare là, je verse dans un coin pour garder. Mmh. Je prépare. Tu ne sais pas qu'on on prévoit souvent. On prévoit. Je suis devenu quoi? Je suis devenu le magasin dans ton village ici. Je suis devenu ton magasin. Quand tout le monde se lève, je veux le sel. Je veux les allumettes. Elle veut les allumettes avec le feu. Une petite fille comme ça, son âge, à cette heure-ci, elle ne sait pas qu'elle doit garder le feu depuis hier. Quand ils vont là au champ, c'est pour aller prendre quoi? Quelqu'un ne peut pas porter un bon morceau de bois comme ça pour garder le feu dans sa cuisine. C'est bon. Ma fille. Quoi? Yeah. Moi, je sais que maman Zach, c'est ma voisine la plus proche et je ne peux pas être en manque. Maman Zach est là. Je suis alors venue comme mon sel est fini. Lui demander un peu de sel et douane parce que je nous sommes comme je lui demande un peu. Voici l'évangile de sa grand-mère qu'elle est en train de me dire que sa grand-mère lui a dit ceci. Bon, décemment. Ça va. Zach, donne les allumettes. Quelles allumettes? Voilà. Quelles allumettes? Elle dit qu'elle a un petit souci. Elle dit que quoi? Bon, ma fille, d'abord les allumettes. Les allumettes de qui? Ne touche même pas mes allumettes. Ne touche pas mes allumettes, c'est comme je suis en train de te dire là. Ah, c'est comme ça que tu es venu avec moi dans ton village, c'est que tout le monde doit venir me manquer du respect. Okay. Tout le monde doit venir me manquer du respect, même elle. Même elle, elle ne sait pas qu'on achète son marché. Elle ne sait pas faire les provisions. Ne touche pas mes allumettes. Ne fais pas que ça devienne toi et moi. Donc même dans l'évangile que ta mère t'a pardon, donné, traverse. L'éducation, tu ne respectes... Ma fille. Je passe seulement pour le pâté. Sinon. Je devais faire irruption dans ta cuisine. La banquine, ouais. Je dis que le pâté te sauve. Si elle fait irruption dans ta cuisine, elle prendra tout ce que je veux.
Tu ne respectes même pas son mari. Après, viens me dire que l'évangile, sa grand-mère avait donné l'éducation. Éducation ratée. Exact. Le problème, c'est quoi? C'est quelque chose. Même Dieu Michel, elle est même. Pourquoi? Tu dis que c'est la dernière fois. Pourquoi? Une petite fille comme ça ne connaît pas qu'elle doit garder, elle doit faire les provisions chez elle. Si tu commences comme ça, si je permets, si j'ouvre les vannes là ici, je ne vais plus respirer. Il ne va plus respirer. Il n'y a pas. Même le sel est pour les... Oui. Et ça, toi-même, tu me donnes l'argent pour acheter ça. L'application TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent des États-Unis ou du Canada à 0 francs comme frais. Et si tu utilises encore mon code promo EDUDOA, tu gagnes 10$ sur le montant que tu envoies. Maintenant, si tu es du côté de l'Europe, quel que soit le montant que tu envoies, on te prélève seulement 2€ comme frais. Et si maintenant tu utilises mon code promo EDUDOA, tu gagnes 5€ ou 5 livres sterling sur le montant que tu envoies. Alors, fais confiance à TapTapSend.